Yop tout le monde, c'est Gotime et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série sur Ion. J'ai changé de pseudo et de personnage parce que la rôdeuse se commence vraiment à me gonfler lourd. C'est dur à jouer, franchement je vous déconseille le rôdeur si vous débutez un perso, franchement c'est très 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 dur à jouer. Donc j'ai changé, j'ai level 12 par contre, je suis plus level 16. Et je me suis fait une barde parce que franchement les bardes ça allie la distance du rôdeur et le DPS du sorcier. Alors, il faut que je fasse 2-3 trucs. Ah, Verteron, j'ai récupéré mes ailes, donc alors, non, c'est pas toi. Donc là, j'ai des trucs à remettre aux deux, là, normalement. Prenez donc votre temps. Ah, mais quoi, non, pas les deux. Ah, bah, attendez, qu'est-ce qui se passe, hein. Connecte à rien, marchand honnête. Ah, Hyacinthe, elle est où, Hyacinthe? C'est qui, ça? C'est qui, c'est où, c'est pourquoi? Donc, Hyacinthe. Ah, je sais où elle est, c'est bon. Elle est là-dedans. Voilà, Hyacinthe, voilà. De quoi avez-vous besoin? Alors, un marchand honnête, oui, bon. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai faim, je mange des bonbons en même temps. Donc, je suis en train de crever la dalle. Donc, alors... aujourd'hui, c'est tout seul parce que voilà. Il se trouve que. Voilà, j'ai pris le pseudo de Venusia parce qu'en fait. Oh, la maille, c'est pour lui ça. Donc. Ça, je vire. Je vire. Donc je vends, voilà, donc je monte à 82 000 kinas. C'est que dalle, franchement. Pour vous tout vous dire, c'est de la daube absolue. Donc, une carte de tog. Il faut que je tue encore un crabe et que je trouve le sanglier. Donc, allez go. Alors, le crabe de vase. Alors dans cette zone, certes c'est bien pour ceux qui viennent de devenir des vaves, c'est-à-dire ceux qui obtiennent leurs ailes. Mais il y a le boss de jaune, Pastigue, je sais plus comment il s'appelle exactement. Il est très très fort, il fait très très mal. Alors regardez ce que c'est que du DPS. Première, deuxième. Voilà, en fait dès que la barre devient bleue, je lance un sort. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, moi j'ai pas le temps de... Voilà, hop. Je viens complètement de le déboîter et donc. Hop là. Donc on va chercher le sanglier. Faire tout le tour de la cité parce que de toute façon. Lui il fait tout le tour de la cité à chaque fois donc. Bon, on va faire pareil que lui. En espérant tomber sur lui. Hop. Donc t'es où Gaïon? Parce qu'en fait il s'appelle Gaïon celui à qui faut qu'on rende la quête. Là, il est là-bas, je l'ai vu. Gaïon. Je range les ailes. Oui, je me suis fait une meuf aussi comme d'habitude. C'est Ion qui vous envoie. Je me suis refait une meuf. Parce que voilà, ça me disait rien de me refaire un gars. Surtout qu'ils sont pas très très beaux les artistes. Gars. Donc bah, la meuf était beaucoup plus stylée. Donc pour ce qui est de Venusia, du coup maintenant c'est moi, mais celui qui était avec moi dans la vidéo, il a repris son gladiateur qu'il a joué avant que je le connaisse. Hein. Mais avant qu'on se rejoigne sur le jeu, il avait pris son gladiateur. Il jouait dessus. Donc maintenant, ce qui fait qu'il est level 36, je crois. C'est quoi ça? Oula, c'est quoi ce? What is that?
Ok, bah je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc, en mission, on a quoi? On doit aller parler à Spyros. Oui, donc en fait, ma barde, c'est pas vraiment moi qui l'ai monté de level 10. J'ai créé mon personnage hier soir et c'est venu dire qu'il m'a fait faire mon ascension parce que j'en ai marre de. Exprimez-vous. 31 000 points d'expérience. Oh, level 13. Donc, maintenant, on va voir à Sanctum ce qu'il se passe. Belle journée, non? Kayon veille sur vous. Donc, oh là là, j'ai des pics de lag. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais apprendre mes compétences et je vous retrouve dès que je suis en dehors de Sanctum. A tout de suite, tout le monde. Donc, re tout le monde, voilà, ça y est, j'ai acheté mes nouvelles compétences. Du coup, j'ai obtenu Doux Écho. En fait, je fais ça me permet de me soin parce que, en fait, la barde, c'est imaginer le clerc, c'est-à-dire celui qui soigne, avec la puissance du sorcier et la distance du rôdeur. En bref, vous avez le mix parfait entre trois classes, la première qui soigne, l'autre qui est à distance et la troisième qui rock, qui a un DPS horrible. Voilà, donc en fait vous voyez, dès le niveau 13 on peut se rendre déjà à Tolbas. Donc c'est ce que je vais faire, je vais à Tolbas, hein. Je vais faire les quêtes de Tolbas, hein, parce que bah voilà, c'est ce que je peux faire, j'ai le level pour le faire, donc bah c'est parti quoi. C'est parti, je pense que je vais faire un petit bashing de mob là durant cet épisode parce que la dernière fois vous avez déjà vu la plupart des quêtes qu'on pouvait faire ici. Du coup je vais vous montrer à quoi ressemble un bashing de mob. Du coup je vais aller faire mon bashing là-haut, le truc des Dukaki là parce que ça permet de... Ah putain je vais pas y arriver, de prendre beaucoup plus de... Ça me permet d'XP quoi, en bref, c'est pour XP. Ah, je suis mort, j'avais mes 4000 de dés. Ah, shit. Pas grave, bon bah. Alors, c'est parti pour un petit tour de DPS. Donc, on prend tout pareil, voilà. Donc là j'ai pris combien de points d'expérience? J'ai pris 1500. Je vais pas cracher dessus parce que voilà il me faut, enfin, j'ai 21 000, il faut 100 000. Donc je sais pas trop exactement combien m'en faudrait, mais il m'en falloir un petit peu des combats, donc je pense que voilà. Hop, 350, 226. Cible incorrecte. Voilà, c'est des critiques qui font très très mal. 1574. Donc là, vous voyez là, la terre, elle a l'air propre parce qu'elle l'est. Ah bon? C'est bizarre. Oula, il se passe quoi là? Votre cible a disparu. Approchez-vous de votre cible. Ah voilà, je prends du 2000 points d'expérience quand même, donc je crache pas dessus on va dire. Bon, on va décimer carrément le campement je pense. Votre cible est hors de portée. Donc voilà, en fait je les immobilise comme ça, je suis un peu tranquille on va dire. Et après je sors mon combo spécial.
Donc. Ça m'intéresse, ça. Donc, bah, soit on va tout de suite s'en équiper. Oh, ça fait chier, c'est vrai. Voilà, donc, bah, la barde, voilà. C'est un personnage cheaté, parmi tant d'autres, hein, avec le pistolero. Mais le pistolero, il doit être interdit parce que, en fait, on va dire que. Il fait beaucoup trop de dégâts. Donc, ah, ça, j'adore l'animation. Comme ça, j'adore l'animation. Donc, excusez-moi. Hop, voilà, c'est fait. Donc, j'ai plus de PM. Et regardez ça. Alors, mélodie de méditation. Mélodie de soin, comme ça. Et voilà, et regardez maintenant, il y a mes PM, il y a tout qui remonte. Donc, toi, je te réserve une petite surprise. Non, en fait, j'allais chercher les quêtes parce que c'est ce qui XP mieux en fait. Ça j'XP bien, mais voilà quoi. Pas trop quoi. Voilà quoi, je prends du 1007 alors que les quêtes me rapportent quasiment du 90 000. Donc c'est ce que je vais faire. Donc. Donc oui, j'ai récupéré mes ailes aussi. Récupérer les ailes de ma rôdeuse. Voilà, donc on passe par là. Donc maintenant on va aller parler à Leto. On va aller parler à Leto. J'espère bien up level 13. Ça serait vraiment bien. Ah, il y a Abolos, voilà, il est là, Abolos. Donc. Vous arrivez juste à temps. Chasse aux révolutionnaires, comment peut-on les combattre? Continuez. La ferme de Belbua près de la rivière Elune a été envahie par une bande de révolutionnaires léfaristes. Ok. Donc je continue. Sans pitié, c'est parti. Faut que j'aille vaincre des voleurs. Et seulement les voleurs pour l'instant. Rien de plus. Donc bah, c'est ce que je vais faire les voleurs. Donc. Oups, putain, tu fais chier toi. À part pour le coup là, je sais pas si je m'en sors. Et du coup, allez, faites dodo les gars un peu. Un petit peu de dodo, ça fait du bien. Apparemment, vous voulez pas me lâcher la grappe. Donc, bon, on va s'enfuir sur le toit. Hein. Voilà, donc ils ont abandonné la poursuite. C'est bon signe. Donc, se remettre les PV qui vont avec. Et donc, maintenant, c'est parti. Hein. C'est parti. Donc. Hop, allez, harmonie de froid et harmonie de chaud. Comme je les appelle parce que c'est. Oula, ouais. Donc, on va pas prendre un tâcheron. On va se contenter des voleurs, juste. Hein. Votre cible est introuvable. Oh, ça, je pense que ça va plaire au gladiateur de celui qui était avec moi pour jouer. Mais voyez les dégâts, quoi. Et ce soir-là, celui que je fais tout le temps, on le débloque au level 3, quoi. Donc. Dès le level 3, vous êtes déjà capable de taper du 600, du 700 au mob. Hein.
Ouais, ça peut aussi presque 700 quoi. Ouais, donc le voleur il a pas le temps d'arriver. Il prend beaucoup beaucoup de dégâts. Ah tiens, puissance magique. Alors. Ah oui, c'est vrai. Donc la feinte. Je vais sortir des pierres de mana pour vous. Je vais essayer de. Donc j'ai une puissance magique plus 14. Se mettre plein de puissance magique un peu partout. Ouais, donc en fait je vais mettre de la puissance magique à peu près sur tous mes équipements. Comme ça vous verrez beaucoup mes dégâts, ils vont beaucoup beaucoup augmenter d'un coup. Donc je continue, j'ai plein de puissance magique que je vais accumuler, donc autant les mettre, je dis moi. Donc là, clac. PV plus 20. On va se mettre un petit peu plus de PV en espérant que ça passe. Oui, j'ai réussi. Parade. Critique physique. Par critique physique, donc. On va mettre de la critique physique. Parce que ça peut toujours servir. Donc. On va se rajouter encore des PM. Ah mince. Tant pis. C'est foiré. Parade, non. Précision. Parade, précision. On va se mettre des précisions. On va se mettre de la précision. Hein. Donc bah c'est parti. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu plus de PV. Un petit peu plus de PM. Voilà, vous voyez les dégâts, j'ai pas sorti le coup critique, mais voilà. Donc faut que je tue que les voleurs. Donc voilà, en fait, le convenu de ce sort, c'est qu'il est bien, mais il faut qu'il soit chargé, quoi. Voilà, donc voilà, les combats vont être très très mais vraiment très rapide hein, avec la barre d'en. Donc voilà, regardez, hop, j'attire le mob et boum, il me tape du 50, moi je retape presque du 7 du 1000. Bah tout à l'heure j'ai tapé du 1000 en coup critique sur une tortue et franchement j'avais du mal à y croire que j'avais tapé presque du 1000 alors que j'étais level 10 quoi. Mais franchement, j'ai tapé du 1000, je me suis dit, mais c'est quoi, c'est un bug ou c'est quoi, c'est... Votre cible a disparu. Donc voilà, même à temps normal, je tape... Ah merde, ah tant pis. J'ai pas le temps de le recharger avant qu'il arrive, donc bah... Voilà, 384. Là, je sais pas... Ah... Alors, là, ça me rajoute plus d'esquive. Mais ça me descend ma parade et ma résistance magique. Ah, je le prends, je le vendrai. Ça fera toujours quelques kinas en plus, hein. Parce que, eh oui, la guerre au kina est enclenchée. En fait, des fois, ça dépend. Des fois, je me sers des touches 1, 2, 3, 4, 5. Soit je me sers des... Comment dire, des... De la souris pour attaquer, ce qui me permet en fait d'enchaîner des combos beaucoup plus rapidement. Par exemple, regardez, je fais un petit exemple. Donc là, pour lancer de sort, j'utilisais la touche. Donc voilà, là, hop, je clique là, hop, hop, hop. Directement, juste après, avec la touche, je lance le troisième sort. Boum, voilà. Comme ça, bah voilà, ils ont. Comme ça, ça pleut. Il pleut de sorts, c'est phénoménal. Donc bon bah donc pour ce qui est de ma série sur Dofus,
Je vais l'arrêter parce que bah on dirait, j'ai tout simplement marre. Je me suis fait hacker 3 fois en même pas en l'espace d'un mois. J'ai perdu à chaque fois beaucoup beaucoup de karma. Donc ça m'a gonflé, donc j'ai carrément supprimé Dofus de mon ordinateur. M'en veuillez pas, mais voilà, j'ai complètement ragé, j'en peux plus, j'en ai marre de me faire hacker toutes les 10 minutes. Voilà, surtout qu'après j'ai personne pour m'aider à me restuff à chaque fois, donc je suis obligé de me démerder. Je suis vraiment désolé, donc j'essaie de vous mettre une série sur Feed the Beast en attendant. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous êtes perdus, les gars? Mais allez-y, faites un petit dodo. Voilà, donc bah, je viens d'en éclater deux. Voilà. Donc, bah ça c'est pas... Donc, hop, un petit coup de soin. Un petit coup de régène PM, hop, et mon petit bouclier. Comme ça, en donjon, je peux vraiment... Je me protège. Et en même temps, je restitue tout ce qui est PV, PM et tout. Vous arrivez juste à temps. Voilà, hop. Et ça, Kavid, je sais où il est en fait. J'avais cherché pendant une demi-heure la dernière fois, donc hop, allez, go, c'est parti. Voilà. Donc. Je vais me rendre tout de suite à l'endroit où il est. Donc en fait, pour ceux qui savent pas où il est, c'est pas très dur, il suffit de suivre le chemin et vous arrivez en bas. Je vais essayer de vous montrer, donc hop, je prends mon envol. Merde, ah, mon temps de vol il est pas rechargé. Voilà, donc là il va essayer de me taper normalement. En fait, je passe comme ça parce que c'est très bien qu'ils me feront zéro dégâts avec... Voilà. Hein, quoi, il a réussi à me faire des dégâts, ah bon. Bah voilà, c'est ça à force d'être trop sûr de soi. Donc vous voyez, Kavil, il est là. Hop. Voyez, si j'enchaîne la critique, je peux monter vite fait à 1000. Oh, purée de pommes de terre. Voilà, hop, je récupère. Oula! Salut toi! Ouais, en fait là j'ai oublié de laisser charger complètement le sort. Donc, on va faire quoi en attendant qu'il repop lui? Et oui, voilà. Le problème, c'est ça. C'est que je voudrais bien aller voir ce qu'il y a sur cette île là-bas. Ah bon, je me soigne. Ah ouais, je soigne quand même beaucoup plus que ce que je pensais. Ouais, voilà. J'ai pris beaucoup de dégâts là. Mais voilà. Donc, je teste le combo. Ah oui.
ça régénère, c'est sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a quoi sur cette île exactement? À part que dalle. Voilà, donc je continue à me prendre des dégâts. Et bah voilà, je suis mort. Mais bah c'est parti pour ton Avertéron du coup. Je vais me faire guérir mon âme. Faites vite. Donc bah en fait je pense que je vais vous laisser là et je vais vous reprendre où je vous avais laissé la dernière fois, c'est-à-dire avant d'aller tuer le Bulbétrip Vunimeux. Parce que maintenant je sais où il est donc. Je vais pas me gêner pour aller lui dire bonjour à ma manière. Voilà, hop, 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 hop. Bon bah sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Gros bisous à tous et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce vert, un petit commentaire. Ce sera vraiment sympa de votre part. Hein? What? Pourquoi je regène pas? Ouais, bon bah sur ce, à très bientôt les amis.